Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 373 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que dans Hochelaga-Maisonneuve, les 56 280 citoyens et citoyennes ont accès à seulement 2 médecins dans les cliniques du quartier pour le service sans rendez-vous. Considérant que les services sans rendez-vous sont offerts de façon discontinue, que le nombre de places est restreint et que les personnes doivent se déplacer à l'extérieur du quartier pour consulter un médecin. Considérant que les 8 médecins de famille du territoire se partagent 10 000 inscriptions, qu'aucun d'entre eux n'accepte de nouveaux patients et que 3 médecins prendront leur retraite d'ici la fin de l'année 2017. Considérant que 45 % de la population d'Hochelaga-Maisonneuve est inscrite auprès d'un médecin de famille, qu'il reste 22 735 patients à inscrire pour atteindre la cible de la Régie de l'assurance maladie du Québec et que seulement 5 136 patients sont inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille. Considérant que les besoins sont également importants pour des médecins spécialisés tels que pédiatres, orthophonistes, gérontologistes, radiologistes, considérant que de nombreux médecins sont réticents à venir pratiquer dans Hochelaga-Maisonneuve, considérant que les cliniques actuelles peinent à attirer de nouveaux médecins afin de combler les départs à la retraite, l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au ministre de la Santé et des Services sociaux l'ouverture d'une clinique médicale avec de nouveaux médecins de famille GMF Réseau, l'embauche de médecins pour combler les départs à la retraite. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. L'extrait de cette pétition est déposé. J'inviterai...